Cher frère, de Gognoua, l'organisation qui a donc choisi ce village pour nous honorer. Chers invités, chers parents, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu dans ce beau village, le village de Tikwei-Parenyoa. Oui, vous voyez ce petit village, il est plein de cadres. Car nous avons des ministres ici. Dieu a béni ce village. Vous l'avez choisi. Vous voyez, la pluie arrive, ça arrive là, et puis bon, ça disparaît. C'est ça ce village. Vous êtes venu me voir. Je vous ai écouté. Mais quand vous êtes parti, sincèrement, je n'ai pas cru. Je vous ai demandé, vous êtes venu me voir. Je ne suis pas le propriétaire de ce village. Allez voir le chef du village. Tout ce qu'il décide sera ce que j'aurai donc accepté. Vous êtes arrivés, les cadres, les chefs traditionnels de ce village, les femmes de ce village, les jeunes de ce village, vous ont accueilli. Je voudrais déjà leur dire merci. Parce que qui suis-je pour qu'on dise mon nom et que le village ne puisse pas refuser. Merci. Merci à vous. Moi, en toute sincérité, vous œuvrez dans l'éducation. Moi aussi, je suis dans l'éducation. Et tout ce qui touche aux enfants m'intéresse. C'est comme ça. C'est comme ça que, quand on m'a parlé, vous avez envoyé une invitation, j'ai dit à mes directeurs qui sont actuellement là, d'autres ne sont pas encore venus. Je leur ai dit, analysez ce courrier qui parle d'éducation, mais je retiens déjà. Et partout où vous êtes passé, je suis arrivé. Même si, quelquefois, je n'étais pas là moi-même, mais il y avait toujours un représentant que je faisais venir. Je voudrais déjà vous dire que je m'inscris sur la liste des cadres de votre groupe. Cela s'applaudit, s'il vous plaît. Cela s'applaudit, s'il vous plaît. Donnez-moi, cela s'applaudit. Merci beaucoup. À présent, Monsieur le Président de la cérémonie, Monsieur le Président de la cérémonie, vous avez la parole. Excellence, Monsieur Christian Ambroise, ambassadeur de la paix, parrain de la présente cérémonie, Monsieur le chef du village de Tikwei-Parenyoa, Monsieur le chef du village invité, je vais parler de l'ensemble des chefs du canton Sabia qui sont bien représentés. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre Maurice Kakou-Tikawe,
Monsieur le président de l'association Gonyoa, mesdames et messieurs les membres de la dite association, honorables invités, chers élèves, chères populations de Dikoyi-Paléyoa, je voudrais avant tout propos vous adresser mes salutations chaleureuses et mes sincères remerciements pour votre accueil. Je voudrais m'adresser à vous au nom de Monsieur le Préfet de la région du Gord, préfet du département de Gagnoa, auprès de qui j'ai pris les instructions pour pouvoir être à cette cérémonie. Une cérémonie très importante, puisque elle a trait à la célébration de l'excellence. Mais avant de poursuivre mon intervention, je voudrais saluer particulièrement certains visages qui me sont connus, sont des amis, et que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ici. Je veux parler d'abord de celle avec qui j'ai fait l'École nationale d'administration, ENA. Je vais parler de Madame la DRH du ministère de la Construction. Voilà, Madame Douillot est donc une condisciple. Également, je voudrais saluer mon collègue et promotionnaire en tant qu'autorité administrative. Je vais parler de Monsieur le sous-préfet de Mbayako. Chers frères, je voulais vous saluer. Je voulais dire que ma présence ici également se justifie par l'insistance que ces personnes ont eu à faire en tant qu'amis d'abord pour dire que nous souhaiterons que vous soyez un des nôtres. Alors la première occasion, je crois que c'était à Logobia, Dieu n'a pas permis qu'on y soit. Ensuite, je crois que c'était à Dagodio. Et cette fois-ci, malgré le fait que ce week-end était très, très, très chargé, je me suis dit que cette fois-ci, il était bon de répondre favorablement à cette invitation. Et je dois dire avec beaucoup de sincérité, que je ne regrette pas du tout d'être parmi vous. Je ne regrette pas tout simplement parce que les activités qui sont menées ici cet après-midi sont d'une importance capitale. Vous œuvrez dans le domaine de l'école, comme cela a été dit, et vous célébrez les excellents. C'est important. Et vous vous inscrivez, le faisant, dans la droite ligne de la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait de l'excellence un credo pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est très important que dans tous les domaines d'activité, nous soyons excellents. Chacun de nous le sait, sous le leadership du président de la République, notre pays aspire à l'émergence et cela n'est pas seulement un vain mot. C'est quelque chose qui se constate sur le terrain. Aujourd'hui, il y a eu à Abidjan l'inauguration du cinquième pont baptisé Pont Ado. Et tout cela, c'est très bien. C'est grâce à l'effort de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Je vais parler de tout ce monde qui travaille pour que notre pays soit debout. Mais quoi qu'on fasse, il faut préparer la relève parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont membres de cette association, qui sont donc des éminents cadres de ce pays, ne seront pas là tout le temps pour que notre pays soit debout. C'est pourquoi il faut préparer une relève. Et la meilleure façon de préparer la relève, c'est de préparer nos enfants, c'est de préparer nos élèves pour qu'ils soient excellents. Et je crois que c'est ce que l'association Gagnoa est en train de faire. Je voudrais donc vous en féliciter énormément. Mesdames et messieurs, je voudrais également saluer celui que vous célébrez également. Je vais parler
de M. le parrain, que je connais depuis que j'ai pris service ici. Et l'une des caractéristiques que moi j'ai pu noter auprès de ce grand homme, c'est son humilité. Il est extrêmement humble. Et ça, c'est la marque des grands hommes. Quand on voit tout ce qu'il a fait comme réalisation, et qu'on voit, il vous approche avec une humilité extraordinaire. Et je voudrais donc le saluer pour cela et lui dire infiniment merci pour tout ce qu'il fait pour le développement de la région du Gop et également pour tout le soutien qu'il apporte à nous, les autorités administratives, dans le cadre de la réalisation de nos missions. Je voudrais également m'adresser à la chefferie. Nos collaborateurs, merci les chefs de village, je voudrais vous dire merci d'être présents en grand nombre à cette cérémonie. Tout à l'heure, l'ambassadeur, votre frère, votre fils, a fait un discours très important. Il a parlé de sujets importants. Il a parlé d'élections. Et nous insistons là-dessus. Parce que nous avons besoin d'une élection apaisée. Nous voudrons une élection apaisée. Et pour cela, il faut permettre à chaque citoyen qui est en droit d'aller voter, d'aller le faire. Lorsque je parle dans le village, j'insiste toujours là-dessus. Parce que nous sommes tous croyants et nous croyons également en ce qu'on appelle le destin. Pour moi, celui qui sera président du conseil régional est déjà connu par Dieu. Et nous ne pouvons rien y changer individuellement. C'est pourquoi il faut permettre que chacun aille faire sa part et Dieu fera le reste. Je souhaite sincèrement que ce message, que vous puissiez passer ce message auprès de la jeunesse. Pour ne pas que cette jeunesse soit manipulée. Parce que quand elle est manipulée, c'est elle qui est le plus souvent la perdante. Donc je souhaite que notre jeunesse, ce président des jeunes du canton Pakoulo, que je vois très bien, je crois, président des jeunes de Guigia, ce message vous êtes décerné. Je compte sur vous pour que ce message passe auprès de l'ensemble de la jeunesse. Alors c'est donc sur ces mots que je voudrais encore une fois réitérer mes remerciements à l'endroit de tous les membres de l'association Konyoa et adresser toutes mes félicitations à l'ensemble des élèves qui auront tout à l'heure des prix. Je voudrais vous dire encore une fois merci et prier Dieu le Tout-Puissant qui nous accorde la prochaine cérémonie dans un autre village que vous allez choisir. Et si c'est dans le supérieur de Kanyoa, je me ferai fort d'y être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur. On compte le protocole précédemment énuméré par mes prédécesseurs pour qu'on puisse gagner du temps, les enfants étant fatigués. Et donc, je vais rapidement vous rappeler que nous récompensons les 5 premiers du CP1 au CM1 et les 10 premiers à l'entrée en 6e. Spécialement pour cette édition, nous allons récompenser les 16 enfants qui ont été admis à l'entrée en 6e. Ensuite, nous décernons des prix spéciaux. Donc, il y a un prix spécial pour le premier garçon à l'entrée en 6e. C'est le prix Labbé Théa qui est financé par l'association. Également, le prix de la meilleure jeune fille à l'entrée en 6e. Ensuite, nous avons un prix spécial du meilleur enfant au BEPC, la meilleure jeune fille au BEPC et à l'entrée en seconde, et du meilleur garçon au BEPC et à l'entrée en seconde. Enfin, c'est pour le département de Gagnoa. Et enfin, le meilleur au bac du département de Gagnoa, toujours le meilleur garçon et la meilleure jeune fille. Tout à l'heure, vous aurez les différents prix qui composent le paquet que nous avons fait pour eux. Donc, on va commencer rapidement par le CP1.
Et je vais appeler ici le cinquième du CP1, donc qui va au CP2, avec 8,45 de moyenne. J'appelle Kiemtore Raissatou. Kiemtore Raissatou. Cinquième. On applaudit. Voilà, cinquième. Quatrième du CP1. Oui. Avec 8,74 de moyenne. Wawa Yassi Cyril, quatrième du CP1. Il arrive. Troisième du CP1, avec 8,77 de moyenne, j'appelle Yoro Yasmine Rabé. Voilà. Deuxième du CP1. Deuxième du CP1 avec 8,98 de moyenne. J'appelle Nyali Libo Ruth. Est-ce qu'elle est là? Ou bien elle est là, elle arrive, elle est là. Premier du CP1 avec 8,98 de moyenne. Hein? J'appelle Didi Sibahi Pérez Mondésir. Voilà, Didi Sibahi Pérez Mondésir. Elle n'est pas là, elle parle. Et donc, je voulais vous rappeler la composition. Elle représente. La composition du kit du CP2, un livre de lecture, un livre de mathématiques, un livre de dessin éducatif, un livre DDHC. 3 cahiers double ligne, une ardoise, un paquet de crayons de couleur, 2 protège-cahiers, un paquet de 10 craies, une gomme, un stylo bleu, un stylo vert, un taille-crayon et un crayon à papier. Tout ça dans un sac violet estampillé Gognoa. Je vais inviter pour la remise un nouvel adhérent, Monsieur Didi Nestor, pour la remise des kits du CP1. Voilà. Monsieur Didi Nestor, voilà. Qui vient d'adhérer aujourd'hui même à l'association, il sera présenté à la 9e édition dans le village qui sera indiqué au cours de la réunion bilan. Voilà, avec beaucoup de chance, on ira certainement dans le Nekedi parce qu'on n'y est pas encore allé. Bonne arrivée. Là, c'est la remise en symbolique. Voilà mon boyau. Je rappelle la composition du kit du CP2, un livre de lecture, un livre de mathématiques, un livre de dessin éducatif, un livre de DHC, 3 cahiers d'oubli, une ardoise, un pot de crayons de couleur, 2 protège-cahiers, un paquet de 10 craies, une gomme, un stylo bleu, un stylo vert, un taille-crayon et un crayon à papier. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Tout ce lot. Tout ce manuel scolaire. Rapidement, la photo de famille avec vos enfants, Monsieur Didi. Voilà. Avec le sourire du parrain. Il vient d'arriver dans l'association, donc c'est lui qui... 707 de moyenne. 707 de moyenne, voilà. Cinquième. Le quatrième du CP2. Le quatrième. Avec 7,28 de moyenne. Oui. J'appelle Kiemtore Yaya. Kiemtore Yaya, quatrième. Est-ce qu'il est là? Voilà, il arrive. Félicitations. Troisième du CP2 qui va au CE1. Avec 7,53 de moyenne. J'appelle Calais au prix grâce. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on fait la fierté de nos parents. On vous appelle comme ça. Les parents sont fiers. Ça va?
Très rapidement. Deuxième, avec 7,64 de moyenne du CP2, j'appelle Néa Aïcha. Néa Aïcha. Néa Aïcha. Voilà, elle arrive. Deuxième. Classe deuxième. Elle au moins ne fait pas Aïcha trembler, elle va à l'école, merci. Premier, sinon première du CP2 qui va au CE1, j'appelle Kaboré Lydia. Kaboré Lydia, classe première. Kaboré Lydia. Félicitations. Combien de moyenne? Lydia a 8,03 de moyenne. Avec 8,03 de moyenne, félicitations. Voilà. Je voudrais appeler pour cette remise, s'il est là, le chef du canton Pacolo. Le chef du canton Pacolo, il est là. Le chef est là. C'est un honneur pour la remise donc, de ce lot. Et pendant qu'on électrique, un complet compas, un paquet de crayons de couleur, une gomme, un taille-crayon, un crayon à papier, un stylo bleu, deux stylos bleus, un stylo vert. Vraiment, c'est beaucoup, hein? Tout ça, là. Merci, très rapidement. Et tout se quitte dans un sac bleu estampillé Gognoa. Que tu as voulu dire, puis tu as sac. Vraiment, merci. Merci, Gognoa. Voilà la photo. Merci beaucoup. Quatrième avec 7,65. Okoni Edino Bernard. Okoni Edino Bernard. C'est une jeune fille. Ah ouais? Ah oui. Bernice. Ah, c'est Okoni. Et dit non, Bernice, désolé. Voilà, ah, nous on est étonné. Bernice dans Bernard. Merci, maman. Ah, troisième, avec 7,70 de moyenne. Oui. Boibi Benny Isaac. Boibi, ah, il est sapé, hein. Vraiment. Deuxième, du CE1 qui va au CE2. Avec 8,34 de moyenne, j'appelle Sawadogo Maimouna. Sawadogo Maimouna, classe deuxième de la classe de CE1. Félicitations. Premier. Sinon, première. Première. Ça fait beaucoup de premières. Mais les femmes même travaillent ici, hein, déjà. Félicitations, excellence. Donc, première du CE1 qui va au CE2 avec 8,80 de moyenne, elle s'appelle Kone Ramatou. Kone Ramatou, représenté par sa maman ou bien voilà un parent. Voilà. Kone Ramatou, première avec 8,80 de moyenne, elle va au CE2. Félicitations. Je voudrais appeler pour la remise, s'il est présent, le gouverneur Zegou. Le gouverneur Zegou est-il là pour la remise des lauréats? Il est là. Voilà. On va rappeler. Merci à la régie. Merci à la régie, on va rappeler. L'équipe du CE2 se compose comme suit. Un livre de français, un livre de mathématiques, un livre de sciences et technologies, un livre de dessin éducatif, mon cahier quotidien, un livre d'histoire-géographie, un cahier de 200 pages, trois cahiers de 100 pages, un cahier de 50 pages, un ensemble géométrique, un compas, un complet compas, trois protèges cahiers, un paquet de 12 crayons de couleur, une gomme, un taille-crayon, un crayon à papier, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert, le tout dans un sac vert, estampillé toujours en Gognoa. 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 Study au CM1. Quatrième. Oui, quatrième, classe quatrième. Avec 7,43 de moyenne, Gueye Koudou Ivers. Gueye Koudou Ivers. Voilà, il arrive. Ensuite. Troisième. Avec 7,94 de moyenne, Nyopo Balé Chimène. Nyopo Balé Chimène, elle est là, voilà, classée troisième. Vraiment, les femmes travaillent ici, les jeunes filles, félicitations. Deuxième, du CE2, donc qui va au CM1, avec 8,27 de moyenne,
J'appelle Nguesson Afoué Estelle. Ah, une femme encore. Ah, les filles là, vraiment, hein. Et puis vous avez fait un sketch, non, on ne comprend rien. Ah. Premier, sinon première. Ah. Du CE2. Du CE2 qui va au CM1 avec 8,66 de moyenne. Elle s'appelle Kwadio Abenan Priska. Je pense que le message de son excellence a été entendu. Hein. La jeune fille, vraiment, ça marche ici. Ouais. Je voudrais appeler le chef du village pour la remise du kit du CM1 qui se compose comme suit. Merci, la régie, merci. Le kit de CM1 se compose comme suit. Un oui. livre de français, d'accord. Un livre de maths, un livre d'histoire géo, mm-hmm. un livre de sciences et technologies, mm-hmm. un livre d'EDHC, mm-hmm. mon cahier du soir, toujours. Un cahier de 300 pages, trois cahiers de 100 pages, un paquet de crayons de couleur, un ensemble géométrique, un complet compas, trois protège-cahiers, une gomme, un taille-crayon, un crayon à papier, un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert. Merci. Le tout dans un sac jaune. 12,57 de moyenne sur 20. J'appelle Sawatogo Samira. Ouais. Sawatogo 12. Samira. On va l'applaudir. 12 de moyenne, félicitations. Quatrième. Place quatrième. Avec 12,58 de moyenne. Oui. J'appelle Wawa Pristina Mazier. La famille Wawa, vraiment, félicitations. Vraiment, ça bouge fort là-bas. Hein. Troisième, avec 12,85 de moyenne, Didi Karen Beraka Tchétchengo. Attends, si c'est une fille encore, je pense qu'on va demander à Accident si on peut arrêter un peu, parce que vraiment, je ne comprends pas. Excellence, Didi Karen. Le message est très passé. Ah, Didi Karen, troisième. Maman, je comprends bien. Deuxième. Avec 14,92 de moyenne, enfin un homme, ah. Kwasi Kobena Daouda. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, toi, tu es un vrai Daouda. Et venez nous sauver. Premier du CM1, donc il va au CM2. Sinon, première. Ah. Avec 14. Vraiment, on a fait promotion là. Hein. Excellence, on a fait trop promotion de femmes, vraiment. Ah. Avec 14,98 de moyenne, elle de s'appelle moyenne. Acier Grâce Esther Assamé. Oui, sa maman est là. Acier Grâce. Pour la représenter, merci. Pour la remise des prix. Je vais appeler M. Lébi de la mutuelle pour la remise. Oui, M. Lébi, un discours, vraiment. Monsieur Lébi qui remet les présents, les lots aux 5 meilleurs élèves qui iront l'an prochain au CM2 naturellement. Le kit du CM2 se compose comme suit. Oui. Un livre de français, un livre de maths, oui. un livre d'histoire géo, un livre de sciences et technologies, un livre de DAC, mon okay. cahier du soir. Oui. Donc, initialement, l'association récompensait les 10 premiers à l'entrée en 6e du village. D'accord. Mais pour cette année, nous avons fait une exception. Oui. Donc, nous allons récompenser les 16 enfants qui ont été admis à l'entrée en 6e. Et je vais les appeler vraiment. Dans l'ordre. Du coup, par les noirs, toutes les exceptions, ils nous ont gagné ces exceptions. Encore, on fait l'eau, ces exceptions. Le PCO me fait dire que ouais. c'est 16 enfants sur 17. Hein? Donc c'est les plus méritants qu'on récompense. D'accord. Le 16e, d'accord. il a eu 85,59 points, oui. je pense. Oui. 85,59. Uh-huh. Il s'appelle, elle s'appelle Ozi Andrea. Ozi Andrea. Oui, un représentant. Ça, c'est la maîtresse même qui vient, oui. Voilà, le 15e. C'est la maîtresse. Le 15e a eu 86,83. Oui.
Il s'appelle Rabbi Dafou Israël. Rabbi Dafou Israël, lui-même, voilà, applaudissez. Toi, en tout cas, lui, il est sa pépite, il est bien fou. Ça, il a commencé sixième là, comme ça. Vraiment. Ah, Israël, merci. On continue. 14e, avec 95,21, Assier Sephora. Assier Sephora. Assier Sephora. On va mentionner. Elle arrive. Voilà. Vraiment, là, c'est un sapin. 13e. Un collégien. 13e, avec 96 points. Ido Lamoussa. Ido Lamoussa. Ido Lamoussa. Ido, voilà, Ido. 13e. Est-ce qu'il est là? Oh! Ouais, vraiment. Ça, on appelle Bao. 12e. Avec 97 points. Elle s'appelle Cécénio Osigré Ruth. Oui, c'est ça. Ah oui, la danse. Non, vraiment, il y a fort. Osigré Ruth. Alors, il y a fort partout dans la danse. Dans... Eh, vraiment, n'importe qui. Vraiment, c'est bien. Félicitations. Ouais. Félicitations. 11e. Avec 100,22, elle s'appelle Cécénio Aude Davila. Oui, c'est la famille Cécénio. Ouais, vraiment. Oui, je suis là. Cécénio Aude Davila. Félicitations, bravo à toutes ces jeunes filles. 10e. Oui. Avec 101,38, il s'appelle Kone Eric. Kone Eric. Kone Eric. Sur les 16. Il est là? Oui, il est là. Connais là. 9e. Avec 108 points. Oui. 42. Oui. Ouattara Kwasi Hassan. Ouattara Kwasi Hassan, est-ce qu'il est là? Oui, il arrive, voilà. On l'applaudit fortement. Voilà. Merci Huit... pour tous ces efforts. 8e. 8e. Avec 109,51. Gondo Zolou Sephora. Gondo. Sephora, voilà, elle est là, elle arrive. 7e. 7e. Avec 111,05. Sylla Marie Michel. Sylla Marie Michel, qu'on applaudit également. Sylla Marie Michel. Oui, à ceux de jeunes filles. 6e. Avec 112,39. Oui. Gouli Tichik. Gouli, elle a, il arrive, on l'applaudit. Vraiment, je veux dire merci aux populations qui sont restées avec nous jusqu'à cette heure. Vraiment, ça dénote de votre engagement. Merci. 5e. Avec 124,64, Ano Adjoba Manzan Macédoine. Voilà. Oh, c'est ça qui rappelle les femmes. Là. Quand ils ont pris le pouvoir, là, ça va seulement. 4e. S'il vous plaît, voilà la caméra. Voilà, voilà. 4e. Avec 127 points. Pourquoi faire deux rangées? Il faut étaler. Hein? Les 5, ok. Ah, les 5 premiers, d'accord, merci. Allons-y, madame la DRH. 4e, avec 127 points, Zabéi Georges. Zabéi Georges, ouais, elle a son décalage. Ouais. 3e. 3e. Avec 128 points, oui. 48. Oui. Didi Liga Chris Ebenezer. Eh bien, Didi Liga Chris Ebenezer. Il est pas là, un parent, bon, et je voudrais juste vous dire que les deux premiers sont des filles. Oh, vraiment, faut avant dire. De vous donner leur nom, je vais vous rappeler la composition du kit de 6e. Oui. Un cahier étudiant, grand oui. Carreau de 300 pages. Oui. Deux cahiers étudiants, grand carreau de 200 pages. Un cahier étudiant petit carreau de 200 pages, un cahier de recherche de 300 pages, deux cahiers TP de 200 pages, trois cahiers ordinaires de 300 pages, cinq cahiers ordinaires de 200 pages, deux cahiers ordinaires de 100 pages, un paquet de papier millimétré, un paquet de copies doubles, un paquet de crayons de couleur, une trousse avec 5 stylos bleus, 3 stylos verts, 3 stylos rouges, 3 crayons à papier, un taille-crayon, un ensemble géométrique, un pot de colle et une gomme. Et puis un sac, c'est beaucoup, hein? Tout on a fait du cognon, s'il vous plaît, on a fait du cognon, là.
Instant prié, cognoua. Et je voudrais dire que le sac a été trop petit pour les kits. Du coup, nous avons emballé le reste dans des sachets. Les enfants auront leur sac accompagné d'un autre paquet qui fait la totalité du kit de sixième. C'est ce qu'on appelle emporter. Ceci dit, deuxième, avec 135,98. Oui. C'est une jeune fille. Elle s'appelle Koudou Ange Grâce Emmanuel. On applaudit plus fort que ça. Voilà. Ouais. Le premier, pardon, la première. À l'entrée en sixième du village de Dikoyi Palenyoa. Le commandant me voici, regarde. Elle a eu 147,23. Ah, on l'applaudit, elle est là. Elle s'appelle Baldé Mariam. Ah, elle est là. Ouais. Elle est première à l'entrée en sixième du village de Dikoyi Palenyoa. Félicitations. Elle a eu 147 points sur 170. 147 sur 170, ça s'applaudit. Ok, on remet vraiment les prix. Vraiment, c'est lourd. Elle a du mal à attraper. Bon, vraiment, c'est lourd. Ça va. Gagnez aussi. Et Caillot, paye pas de soi. Voilà, nous avons même. Mettez. Voilà. Faut mettre le sac là. Attends. Ça, quand même, lourd. On ne peut pas la mettre pas supporter. Vous avez tout dedans. Tout. Christian, on a mis encore dans le sachet. Vraiment. Ouais, les 5 de lui. Si, si. Voilà. Le bras chargé. Merci à l'association Kanyoa qui permet aux plus méritants de continuer en toute tranquillité la suite de leur formation, de leurs études. Pendant ce temps, le groupe de l'Système s'apprête. D'accord. On dit le chant. Ok, on va finir la récompense. J'étais ici quand j'interviens publiquement. J'ai toujours dit que ce village est un village béni. À travers les cadres et à travers mon patron qui est le commandant. Tout à l'heure, depuis 14 heures, j'ai reçu des étrangers chez moi à la maison. Et quand je leur ai demandé les nouvelles, ils ont dit qu'ils ont été envoyés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et quand je leur ai demandé les nouvelles, ils m'ont dit que ils étaient envoyés dans le canton Ouagadougou, dans la région de Ouagadougou, pour construire dans 3 villages des latrines et des latrines scolaires. Et quand ils ont déjà tapé leurs briques, ils ont tout mis en place. Pour une grande surprise, ce matin, on les appelle pour leur dire non, ramassez tout et allez-y à Tukuyi Palenyoa. C'est là-bas que vous allez construire ces latrines-là. Donc c'est comme ça qu'ils sont levés et ils sont venus. Donc je passe l'information à ce village et à la population de ce village que désormais, il fallait que je profite de cette occasion que nous avons eue aujourd'hui pour annoncer cela. Donc,
il y aura demain, avant les rentrées, ils vont finir la construction des latrines scolaires du Dikoyi Palenois. Donc c'est cela, je voulais passer, c'est cette information que je voulais passer à la population. Ils m'ont même demandé qu'ils ont besoin du président de COGES. Mais comme j'étais trop pris, je leur ai dit non de s'asseoir et ils n'ont qu'à participer à la fête. Et c'est à la fin de la fête que je devais maintenant m'occuper d'eux. Voici l'information que je voulais passer. Merci. Merci. Merci au chef. Attends que c'est embrasé. Dirigez-y. Du meilleur jeune homme, du meilleur enfant à l'entrée en sixième. Ce prix-là, la première année, si ma mémoire est bonne, a été parrainé par le professeur Roi Gaobu de Djedje Digbepa. On était dans ce village-là pour la première édition. Malheureusement, après, nous, on a voulu perpétuer le prix en gardant le nom de l'abbé Théa pour ce qu'il représente dans la région de Gagnoa. Malheureusement, les cadres de la région n'ont pas suivi avec nous. Donc ce prix-là est financé, on a gardé le nom, mais il est financé par l'association. Ce prix-là se compose comme suite. Écoutez très bien. Prix spécial, la BTA du meilleur jeune homme à l'entrée en sixième. Et pour la jeune fille, c'est le même paquet, c'est les mêmes composantes. Donc, on a un cahier étudiant en grand carreau de 300 pages, deux cahiers étudiants en grand carreau de 200 pages, un cahier étudiant en petit carreau de 200 pages, un cahier de recherche de 300 pages, deux cahiers TP de 200 pages, trois cahiers ordinaires de 300 pages, cinq cahiers de 200 pages, deux cahiers de 100 pages, un paquet de papier millimétré, un paquet de copies doubles, un paquet de crayons de couleur, une trousse avec 5 stylos bleus, 3 stylos verts, 3 stylos rouges, 3 crayons, un taille-crayon, un ensemble géométrique, un pot de colle, une gomme, et un dictionnaire français et un dictionnaire anglais. Mmh. Avec la somme de 50 000 francs. Vraiment, ça s'applaudit. Merci, Gagnoa. Ouais, mais le plus spécial,
l'enfant j'ai oublié, il y a aussi toute la région. Il y a aussi un diplôme oui. délivré par l'association Gognoa signé du président Narcisse Djédjé. Oui. Et donc le premier à l'entrée en sixième du département de Gognoa vient de l'EPP Diolabougou Ouest. Il a eu 160,69 points sur 170. 160,69 sur 170. Il s'appelle Achou Johan Christ Israël. Achou Johan Christ Israël. Est-ce qu'il est là? De l'EPP Diolabougou Ouest. Ah, ouais. 160,69 points. Il lui restait 9 points. Et donc je voudrais appeler oui, pour la remise. Boudalé Sedo de l'association Gognoa pour la remise du prix du premier. Voilà, on l'applaudit. À l'entrée en 6e département de Gognoa. Je dis parmi tes bisous. La première jeune fille. Suivie de vos encouragements. La première jeune fille. Par eux, ceux qui sortent de votre couche. La preuve de la région. C'est de la région. Ah, ok, voilà. Bon, merci. La première jeune fille à l'entrée en 6e oui. du département de Gognoa oui. nous vient de l'EPP Babré 3. Donc, elle a eu 152 points. 20. 152 points. 170 son nom. Ah, ok. Elle vient de l'EPP Babré 3. Elle s'appelle Silué Aïdara Malika Prunel. Silué Aïdara Silué Adiara Malika Prunel. Ah, 152. Représenté par un parent. Représenté par. On dit c'est 159. C'est autant pour moi. 159, 23. Le papa dit. Ah, le père, il a lu la collante, il dit à ça là. Ça, c'est un œuf. Ouais, il est vigilant. Donc, à Sainte-Marie, à Cocody. Ok, voilà. Ok, la photo de famille, merci. Voilà, on l'aurait, merci beaucoup. Le sac avec la liste. Voilà, on va passer maintenant. Je voudrais rappeler à tous ceux qui ont reçu un prix oui. de rester en place pour la grande photo de famille. Voilà, tous les enfants qui ont reçu les sacs, vous restez, on va faire la photo avec les tontons qui sont là. Tout le monde. On passe maintenant au meilleur, au PEPC et à l'entrée en seconde. Oui. Le kit est composé comme suite. Je voudrais dire déjà que pour la meilleure jeune fille, le prix est parrainé par Francis Zago. C'est un membre de Gognoa oui. qui vient du village de Broutoumé, oui. qui est cadre de banque, mais qui en ce moment n'est pas en très bonne santé, donc qui est absent. Il parraine le prix de la meilleure jeune fille au BEPC et à l'entrée en seconde. Oui, rapidement, le nom. Et... Non, ça c'est pas BEPC. BEPC, voilà. Pour le garçon, le prix est parrainé par le docteur Oro, qui est fils de Dikoyi Palenois. Oui, merci. À qui nous disons. Grand merci. Merci. À qui nous disons infiniment merci. J'ai changé de mot. Voilà. À qui nous disons grand merci parce qu'on a, on va dire qu'on a préparé toute cette cérémonie-là également avec lui. Et donc, il parraine le prix du premier au BEPC et à l'entrée en seconde. Il nous a donné une somme, un vélo, le vélo que vous voyez là, et puis une enveloppe de 60 000 pour la rentrée
son filleul. Ouais, ça augmente son nom. Donc, premier. C'est la DRH, moi c'est le digital. Vraiment, l'évolution. BEPC, premier au BEPC, il a eu 291 points 37. Sur combien? Sur, je pense que c'est sur 300. C'est sur 300. C'est sur 300. Donc il a eu 291 points 37. Attends, lui là. C'est génial, oui. Il vient du collège Douzo, voilà, le collège Douzo. Mais je voulais rappeler hein, simplement pour que vous sachiez que la première jeune fille au BPC a eu 293. Lui, il a eu que 291. C'est juste un rappel. Ça va. C'est deux points. C'est deux points. Voilà, nous, les jeunes, là, le premier au PEPC et à l'entrée en seconde du département de Gagnoa s'appelle Konaté Mamadou. Konaté Mamadou, c'est là. Konaté Mamadou. Lui là, ça là, c'est pas l'homme. Il reçoit le vélo. Le vélo, il reçoit le vélo. Et la somme de 60 000 francs. Le vélo et la somme de 60 000 francs. Je vais appeler. Je vais appeler mon époux pour la remise. Le père de vous. Je suis sur deux cahiers de recherche de 300 pages. Oui. Un cahier TP de 3, deux cahiers TP de 300 pages. Oui. Deux cahiers TP de 200 pages. Oui. Cinq cahiers de 300 pages. 23.54. On sait. Elle vient du collège Enfant Jésus. Ah, et voilà. Elle a été orientée au lycée scientifique de Yamsokro. Ah. Ah, la Josie de Dao, hein, comment, pas Josie, hein, comment. Et son prix, comme je disais, a été parrainé par Francis Zago. Oui. Une enveloppe de 100 000. Oui. Pour mon séné France Emmanuela. Emmanuela. Son petit frère la représente parce qu'elle est en vacances. Oui, ça c'est une vraie vacances. Voilà. Ça veut dire que lui-même c'est un dur, ça veut dire que le cache-nez là, pour pas trop forcer. Hein. Voilà. Je voudrais appeler. Il faut retirer le cache-nez carrément pour les photos. Voilà, merci. Olga Roseline Sibahi de Gognoua. La marraine. Elle est pour la remise. Tu as compris, c'est le son qui t'a pas plu. J'ai dit. Le premier garçon au bac, oui, a eu 292 points sur 400. 292. La jeune fille a eu 332 points. Mention très bien. Il faut continuer, allons-y. Mettez vos filles à l'école. Allons-y, Dieu est grand. Premier du département de Gagnoua au baccalauréat avec 292 points sur 400. Il nous vient du CCRD de Gagnoua, Collège catholique Roger Dukens de Gagnoua. Oui, il s'appelle Zunti Alexis. Est-ce qu'il est là? Son père est là, Zunti Alexis. Voilà, félicitations. Il reçoit Zunti Alexis. Oui. Son père est là, il vient de Toutoubré. Toutoubré, vraiment, félicitations pour toi. Il va recevoir une enveloppe de 100 000, oui, un diplôme, oui, et un ordinateur portable. Sera le tout remis par ma promo. Remis par le commandant. Oui. Je l'appelle ma promo donc. Le commandant Soumaro Moussa, sous-préfet de Gagnoua. Il va remettre ce prix. Voilà. Commandant, à partir de cette année-là, il sera là. La prochaine édition, il sera là. Voilà. Désormais, tout ce qui s'inscrit dans le cadre. C'est que la meilleure jeune fille, oui, au baccalauréat, uh-huh, a été la première de la région. Hein? Donc, elle a déjà reçu deux ordinateurs. Putain. Plus celui que Gognoua doit lui donner, ça fera trois ordinateurs. Ça va, c'est pas petit étude. Donc, le président m'a instruit. Uh-huh.
de remettre l'argent. Oui. Plus l'argent. Donc l'argent. L'argent plus l'argent. Les 100 000 initialement prévus pour accompagner l'ordinateur. Donc le montant de l'ordinateur. Oui. Plus l'enveloppe qu'elle devait recevoir. Avec son diplôme. Avec son diplôme. L'argent que le ministre a donné là. On donne. On donne. Et puis on donne pour Gognoua. Et puis on donne pour Gognoua. Et puis on donne le diplôme. Et puis on va appeler. J'ai pas encore donné son nom. Elle a eu 332 points. Je vous le rappelle. Mention très bien. 332 points sur 400. Sur 400, ça nous laisse. Mention très bien. Elle vient du collège Saint-Jean de Gagnoua. Elle s'appelle Nguessan Ayakon Achina. On l'applaudit. On l'applaudit. Elle est là, elle est là, on l'applaudit. Elle est venue à maman. La maman est là. Et je vais appeler le représentant du ministre Kikahué pour la remise de ses dons. Oui. Bon, on a bon. Donc, il y a une enveloppe d'ordinateur plus 100 000 francs. Elle a tué, hein? Elle a tué, mais. Ma fille. Voilà. Un représentant tout heureux. Voilà, il va remettre. Ça, c'est la vraie commission. Monsieur Bécassé Richard, voilà, il dit ouvre-moi cette enveloppe-là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Donc, j'ai ouvert l'enveloppe. Voilà. Je suis paysante. Le ministre l'a envoyé, il faut savoir s'envoyer. Donc, le ministre a mis un mot. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut lire? D'accord. Voilà. Son envoyé même connaît son écriture. Félicitations. Oui. Un peu plus fort, hein. Voilà. La fille. Voilà. Oui, ma fille. Félicitations. Félicitations, ma fille. Que la fierté pour Gagnoua. Bon vent. Et bon parcours universitaire. Merci. Ouais, vraiment, félicitations. Ma fille, il faut garder ça, ça le mot là. Bon, garder ça. Bon, tu gardes. Voilà. Tu vas aller chercher travail avec. Il y a le sceau de l'Assemblée nationale. Et donc, sur la le maison. Montant à l'intérieur de l'enveloppe, c'est 250 000 francs. 250 000 francs. Voilà. Pour l'ordinateur. Plus les 100 000 de Gagnoua, ça fait 350 000 francs. Ah, on applaudit. On remet. Voilà, sa maman est là. Mettez vos filles à l'école. Voilà, venez. Non, pas sur la caméra. Voilà. Non, on va regarder la remise. On sait que vous écoutez. Voilà, vous le mettez. Voilà, vous regardez la caméra. Voilà, avec la maman dans le fond. Voilà, une fierté. Voilà, rapidement les photos. Merci. Bon, mais je pense que le mot peut-être s'adresse à elle, mais en partie voilà, d'elle, s'adresse à toutes les filles. Et surtout aux parents. Mettez vos filles à l'école. C'est très important. C'est très important parce que la fille, quand elle réussit, comme quelqu'un l'a dit, la dot augmente et la dot ne finit pas. En plus, elle-même, elle va en fournir. Maintenant, les jeunes filles, quand on vous met à l'école, laissez les histoires des garçons dans un premier temps. Le premier mari, c'est votre diplôme, c'est votre travail. Ma fille, félicitations. Maintenant, tu vas rentrer à l'université. Des sons, hein, on copie, il fallait étudier. Ce sont des recherches personnelles. C'est pour cela qu'on te donne des ordinateurs. Pour que tu sois sur le net. Pas pour aller faire des buzz, mais pour faire des recherches. Je t'apprends que même les leçons et les cours de mathématiques sont sur le net. Il y a ce qu'on appelle le professeur auditionnel, que taper et le type te donne des cours comme si tu avais un professeur en face. C'est compris?
Alors félicitations et félicitations aux parents et surtout aux encadreurs. Nous les enseignants, on n'est pas vus. Quand c'est pas bon, on nous insulte. Mais quand c'est bon, on ne dit pas merci. Mais pour une fois, je vous dis merci. Merci, cher professeur. Merci aussi à Go Noir. Et merci, ma voisine. Merci, voisin. Vraiment, quand on est excellent, même dans le voisinage, on se suit. Si, merci, c'est beaucoup. Mon voisin de la Tour des. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre avec les dons maintenant. Rapidement, on a fini pour ce qui concerne la partie scolaire. Mais je voudrais rappeler que Gognoua, chaque fois qu'on se déplace dans un village, si. On fait des dons. Oui. Pour la première fois depuis 8 ans, oui. On a été battu au. Au football. Non, mais c'est pas important. Mais c'est pas important, on va évoluer. Donc, on vous offre, on est gentil, on vous offre un jeu de maillot pour l'équipe de Gognoua. Pour l'équipe de Digoyi Palenoua, pardonnez. Pour le comité d'organisation locale, l'association Gognoua offre la somme de 50 000. Seigneur Landry, 50 000 pour le comité d'organisation. Oui. Je le maillot, c'est un comité local. Il prend le maillot également. Voilà. Mais prends le maillot. Capitaine Brassard. Oui, allons-y, Mme Adérache. D'accord. Pour la chefferie. Le don à la chefferie. Le don à la chefferie. Oui. 50 000 francs. 50 000 francs à la chefferie traditionnelle. Portez. Le secrétaire là. Oui, le pote. Voilà. Et pour finir, chaque fois que Gognoua se déplace, on se déplace pour l'école. On se déplace pour nos enfants. Oui. Donc cette année, on est venu avec 3 cartons de RAM. 3 cartons de RAM pour. On est venu avec 3 cartons de craie blanche. 3 cartons de 16 craie boîtes. Oui. Donc environ, vous calculez 16 fois 3. Oui. Ça fait le nombre de cartons de craie. Si. On est venu également avec un carton de craie de couleur. Oui. Faut pas qu'on nous dise qu'un enfant a été renvoyé de l'école parce qu'il n'est pas venu à la craie. Voilà, ça c'est vrai. Okay. Ça s'applaudit, hein. Voilà. On a payé la craie, en tout cas, l'école. Et puis, on a prévu une enveloppe pour l'école de ce village. Oui. Si vous voulez, vous mettez une couche de peinture. Oui, s'il y a des tables bonnes qui manquent, vous payez quelques bons pour nos enfants. Oui. Gognoua offre la somme de 150 000 francs à l'école. 150 000 francs à l'école. Est-ce que le directeur est là? Est-ce que le directeur de l'école, EPP, Dikoyi, Palenoua est là? Il est là? Ils sont arrivés, 50 000. 50 000 francs au chef du village. Vraiment, ça c'est la vision diplomatique. C'est l'autre qui va prendre le chef. Vraiment. On compte en même temps le 50 000. Tout le monde n'est pas loin. On remet ça. La chef de village. Déposer, voilà. Bien, nous sommes en appui. La procédure. Vous savez, quand on a annoncé cette cérémonie, oui. Les jeunes du village se sont mobilisés. D'accord. Bien, tout s'est bien passé. Oui. Les jeunes donc du village, 20 000. 20 000 francs à la jeunesse. Les filles du village. Les filles du village. 20 000. 20 000 francs. Les femmes du village. Les femmes, nos mamans. 30 000. 30 000. Ben, les animateurs, comité d'organisation et autres. Oui. 50 000. 50 000 francs. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, du comité d'organisation, c'est de moi. Voilà, bon, c'est voilà, je pense que Excellence, Excellence a cité deux groupes. Voilà. Les animateurs. Excellence. Voilà, les animateurs. Voilà, tout a été. Voilà, tout a été. Voilà. Les femmes, 30 000. Oui. Les filles, 20 000. Les oui. Jeunes. 20 000. 30, 50 000. 50 000 francs. Allez, je vous remercie. Merci, Excellence. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Quelque part, on souhaite que les meilleurs au BAC et au BPC l'année prochaine viennent de Dikoyi Palenoua. Je vous remercie. Merci. On va venir pour la photo de famille. La table de séance va.
Pour le balai avec les membres de l'association de Noa. Voilà. C'est bon la photo. On sourit s'il vous plaît. Voilà. On fait le pouce.